vous remarquez les mouvements, vous avez les tourniquets. Et vous avez les chevaux qui montent et qui descendent par une pièce mécanique qu'on appelle un excentrique. Voilà un gros hélicoptère avec pas beaucoup de pièces. Alors, c'est un modèle qui est moins sophistiqué que les nouveaux qui vendent avec les smartphones. Par contre, celui-là, il est quand même, je trouve, beau pour l'époque, c'est qu'il marche pour de vrai. Les autres sont des petits moteurs électriques dans les jambes, la plupart des robots, pour ça vous les voyez circuler très rapidement. Et celui-là, enfin tout au moins les robots pour jouer. Hein. Il remue la tête et tout. Même les bras, il les remue un peu. Alors là, vous avez à l'intérieur un tout petit temporisateur qui permet de ne pas brutalement casser la mécanique. Et vous avez ici un inverseur, par une petite astuce, vous avez un inverseur interdit, qui est un inverseur à mercure. À 59 ans, un an avant la retraite. Hein, parce qu'au moment de la retraite, la plupart des gens disent « Oh là là, je suis libre et tout, et 8 heures par jour plus les nuits, c'est long. Hein. » Alors, avoir une petite passion, c'est pas mal, et le mécano, ou ceux qui ont d'autres modélismes, etc., l'avantage, c'est qu'il pleut, on ne sait pas quoi faire, allez, hop, on se dit, je démarre. Quand vous avez des petits-enfants, comme j'en ai eu 4, et maintenant un arrière de petits-enfants, eh ben, vous avez des stimulants, papy, qu'est-ce qu'il nous fait comme surprise, alors, Noël, les anniversaires, Pâques, et, etc. Voilà, et comme tout ça c'est grand maintenant, vu que je suis arrière-grand-père, eh ben maintenant c'est pour eux. Au manège quand même, hein, c'est assez important, qui est complètement en bois, hein, qui était en bois, et qui a été rencontré au Cambodge et en Thaïlande. Pour survivre, bah, certains papas ont décidé de construire ce type de manège, et avec que du bois, des ficelles pour les sièges, avec une simple planche. Et alors de pousser ce type de manège, c'est quand même fatigant, et ils ont eu l'idée de récupérer des ventilateurs de ménage, assez gros, et vous allez voir, une fois lancé, il n'y a aucun effort à faire. Complètement. Vous pouvez couper. Vous voyez, toute l'inertie, aucune mécanique.